Il a pris direction nord et là on va aller quartier Mourin, week-end ça tout, quartier Mourin qui a fêté fête patronale et on va parler avec le député Zahir Poufet qui a tout gardé avec nous ensemble travail qui a fait dans la circonscription Lyon et route barrière battant, gagner, Jeffort qui continue à faire pour permettre le travail avancer et avancer jour dans le monde. Député Poufet, tu as répondu à une question Richardson Jourdan avec Pems Jean-Baptiste depuis quartier Mourin. Dans la circonscription de quartier Mourin. Nous avons dit que j'ai gagné environ 2 ans et demi depuis que je suis député. Et la majorité des projets qui financent nos communes sont financés par l'État haïtien, le trésor public. Depuis le projet, c'est nous qui faisons des démarches. C'est de concert avec la mairie que nous exécutons. Mais nous sommes capables de dire que la population mourinoise là, il vraiment remercié l'État haïtien par le fait que dans ce sens-là, les prises responsabilités. Quelques projets que nous faisons réaliser là, c'est la réparation des 3 écoles de commune quartier Mourin pour la rentrée des classes. Nous réhabilitons l'école nationale de Galmandubla, nous réhabilitons l'école nationale de Kadouche et nous réhabilitons l'école nationale du centre-ville de quartier Mourin. Ça, c'est niveau éducation. Nous arrivons maintenant en commune 3 laboratoires informatiques. Nous avons un laboratoire informatique dans le lycée pour le jeune Magloire de quartier Mourin. Nous avons un laboratoire informatique dans l'école nationale de Kadouche et nous avons un laboratoire informatique dans le centre professionnel de Grand Pré. Ça a porté résultat parce que qui peut être éliminé. Et dans le repêchage là, nous espérons que dans 20 ans qui étaient à journée, bon pourcentage de 80 à 90% capable de réussir, qui va permettre que le niveau réussite là monte à 80 à 90% au niveau du lycée de Paul Eugène Magloire de quartier Mourin. Au niveau de l'infrastructure, nous sommes capables de dire que du ministère des TPTC qui permettent que gagne 1 km de route là qui bétonné, qu'on y en a tant de président de la République là qui pourrait mettre mon galement du plat, qu'il y a fait 6 km là. Ça, c'est le niveau infrastructure. Nous construisons plusieurs bons, côté que un canal, l'eau a passé, il était qu'on envahit, Kaimounio était qu'on envahit Jardin, nous exécutons des canalisations en béton. Nous faisons canalisation en béton à Kadouche. Nous faisons canalisation en béton à Galmandupla et qu'on y en a aménagé en zone qui est le Wassendia, côté que nous plus ou moins dirigeons l'eau et nous tout font pont sous les. Ça veut dire qu'un peu de travail qu'on a fait au niveau infrastructurel dans la commune quartier Mourin. Ça, c'est quelques projets qui ont avancé dans la commune. Non. On dit tout ça, c'est trésor public, les haïtiens. Moi-même, si vous avez une fille à la donne, c'est que je suis fier depuis que je suis député, pourquoi je me soumets un projet à aucune organisation internationale. En dépit que nous avons un siège ministre qui était la CAIM quartier Mourin, je n'ai jamais rendu à demander pour financer aucun projet que m'a fait commune. Parce que je crois que, en dépit de ça, 35 projets qui réalisent dans la commune, tout projet ça, ils sont financés par le trésor public. Nous avons 4 caravanes de changement, nous avons une route, nous avons arrivé à Grand Prix. Nous connaissons sous contrôle et sous et bon, et zone Nakao toujours. Comment on travaille ça fait? Bon, zone ça. Le plus gros problème que nous avons dans la zone, c'est poussière là. Sous sortir de Kafou, passer par Grand Prix, pour aller Grand Rivière du Nord, bon gros problème de poussière. L'homme paraît moi que la route a commencé, ça te fait plaisir. Et comme l'a fait dans le niveau caravane, j'espère que la route Barrière Battant commence à passer par Grand Prix pour aller Grand Rivière du Nord. Et je pense que les objectifs pour aller soit Dondon ou bien c'est Raphaël, nous vraiment féliciter le gouvernement. Et caravane spécialement pour route ça que a exécuté nos communes. Qui ça a nous gagne en perspective là? Actuellement nous faisons fini avec la place publique de quartier Mourin. Après que nous finissons réhabiliter place, ça son projet de fonds communaux qui était commencé depuis environ 5 ans. Place a commencé, il n'a jamais fini. L'aime venir comme député, me venir chercher qu'on est qui filme qui était sur place là, quoi que aller sous lui ou elle, son place qui est vraiment belle. Et jusqu'à présent, beaucoup de nos places en Haïti qui sont belles que la place publique de quartier Mourin. Pour nous finir le projet, ça, nous sommes obligés de chercher 2 600 000 gouttes pour nous finaliser. Ça, le trésor public l'a doué nous, parce que ça va financer par le trésor public. Ça, c'est effort que le bureau député Zahir Poufet fait
pour nous capable joindre l'argent ça pour nous finaliser la place publique de quartier Morin. C'est projet ça que nous gagnons. Après ça on a fait effort pour que nous capable finaliser centre-ville de quartier Morin que nous gagnons 4 rues qui déjà bétonnées là-dedans, gagnons environ 2 ou bien 3 rues qui pourquoi bétonnées. Nous pourrons adresser nous au niveau du ministère des TPDC pour fin bétonner tout rue pour nous dans centre-ville de quartier Morin. Espérons que le président Jovenel a bétonné 6 km route qui était là. Et bien avec le projet électrique que nous gagnons pour nous capables de résoudre le problème infrastructurel que nous gagnons dans le quartier Morin. Bon, message pour vous, mon quartier Morin. Bon, je vous remercie par le fait que vous faites choix de moi, qui c'est moi-même comme premier député que la commune a gagné. Infrastructure électrique pour permettre que le citoyen la caille, s'il sent il chaud, il est capable de passer au ventilateur libre en vent et le on machine à passer pour ne pas avoir de poussière toute la journée qu'à monter dans notre neuf. Ils arrivent pour faire par la cour de ensemble travail qu'a fait dans la circonscription Lien, quartier Mourin, quartier Mourin, je dis à taper tout, patronal le week-end ça. Il te parlait surtout de travail, route barrière Matin, Grand Pré, qui pourrait aller arriver dans le niveau Grande Rivière du Nord. Et c'est pas pour ça raison. Nous avons battu bouche tout avec député Grande Rivière du Nord, là. Et député Julius Jacques, qui lui-même tout pourrait parler nous de ça qu'a fait dans la circonscription Lien, de ensemble engagement qui prend pour changer visage. Tenant compte de l'objectif caravane fixé pendant la présence dans le nord du pays. Député Julius Jacques, tu as répondu à une question. Richardson Jourdan, à PEMS Jean-Baptiste. Nous là qui c'est docteur Julius Jacques, les mêmes qui parlent nous des communions, qui s'est fait dans la communion. Député Julius Jacques, Télévision nationale d'Haïti, salut. Oh, je salue Jourdan, je salue le caméraman qui l'a tous, c'est Jean-Baptiste. Nous saluons tous les téléspectateurs. Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Donc moi-même, c'est Julius Jacques, c'est député Grande Rivière du Nord et Baron. Donc circonscription, c'est Grande Rivière du Nord et Baron. Donc moi, j'ai deux communes. Moi, j'ai commune Grande Rivière du Nord et j'ai commune Baron. C'est vraiment un privilège pour moi, pour me capable parler avec la population de ça qu'a réalisé donc la Kainou dans deux communes. Actuellement, qui ça nous a fait là? Actuellement, ça nous a fait là. Nous avons une route et Grande Rivière du Nord, barrière battant. Nous gagnons tout dans rivière juste Baron. Dante dit nous tout, la fait route, la sortie Baron, rivière juste Rankit. De façon, si on a sorti au Cap pour aller par au Prince, et là, on dit quelle route on prend. Est-ce qu'on prend route nationale numéro 1 ou bien est-ce qu'on passe par Grande Rivière du Nord ou on passe par Baron Rankit et pour aller Inch pour tomber par au Prince. Donc, nous commençons, dit le président, merci. Parce qu'effectivement, tant qu'on était promettre nous, donc nous avons route là, à fait, et actuellement, si on visite là, on a pour avoir matériel qui sur route, Grande Rivière du Nord là, et vraiment travailler à avancer. L'autre bagaille qui réalise là, quand nous encore, nous gagnons commune Baron, qui part de l'hôpital, nous avons dispensé, et bien, et nous avons l'hôpital qui a construit. Et pour moun Baron, donc dans la campagne, nous avons promettre lui, donc l'hôpital l'a construit. Ensuite, nous gagnons tout dans Grande Rivière du Nord. Donc, nous quittons Baron dans Grande Rivière du Nord. Nous gagnons l'hôpital Grande Rivière du Nord. Là. Et nous pas de côté pour nous mettre médecin au dormi. Eh bien, nous gagnons résidence. Yon Kai qui est en l'école, c'est l'école nationale de Dufayi. Eh bien, qui était en mauvais état. Eh bien, l'école ça déjà est réhabilité. Donc, c'est ça, yo. Donc, nous disons, mais il y a l'autre travail. Par exemple, nous avons l'autre section communale. Il y a les sections communales. C'est une section Caracol. Alors, faut nous pas confondre Caracol, section communale de la Grande Rivière du Nord, avec Caracol, qui sont communes dans le département du Nord-Est. Donc, Caracol, qui sont sections communales de la Grande Rivière du Nord, eh bien, nous déjà avons un centre de santé qui est presque fin construit là. Donc, et nous, ouais, et c'est vrai, il y a des difficultés, mais il y a quelques bagailles qui réalisées. Jusqu'à présent, comment la population a accueilli le travail sur le café là? Population est bien content parce que Baron Mounio tapent ça, il a besoin de l'hôpital là. C'est vrai, il y a un dispensaire, mais il a besoin de l'hôpital. Grande Rivière du Nord, nous avons besoin de résidence là, nous avons logé médecin. Et surtout, route Grande Rivière du Nord, sorti barrière battant pour aller Grande Rivière du Nord et Grande Rivière du Nord pour aller Baron, et bien route Grande Rivière du Nord là. Sorti depuis Grande Rivière du Nord pour arriver jusqu'à Baron,
qui peut encore commencer parce que la rivière là, c'est une rivière importante, mais la détruit grande rivière. C'est lui qui fait un pile dégâts, qui cause un pile problème. Donc nous voulons que pour travailler ça avancer, pour commencer parce que indignement la rivière, si nous pas font travail, eh bien la rivière a détruit mon nous. Après ça nous avons une partie dans la rivière tout qui te prend une grande quantité dans route là pour aller pour sortir Kafoumena pour arriver dans bouc grande rivière du nord, bon côté que la rivière a été mangé, eh bien déjà une disposition qui prend, il y a un travail qui a fait pour être capable et mettre gabion là pour être capable de résoudre le problème ça. Justement, nous ne parlons pas de ça. Nous arrivons en boucle là, nous arrivons à ça, c'est manger plus fort. Il y a un démarche déjà fait. Il y a une firme même qui déjà fin, donc signé, ils ont commencé même à mettre matériel pour être capable de mettre gabion pour empêcher la rivière et manger. Tant que Bookman, tant que nous gagnons un groupe Gracia Delva, un bon autre groupe encore qui a sorti Cap Haïtien, et un pile de artistes qui moune Grand Rivière du Nord, qui moune Baron, qui va le performer. Donc nous invitons tout le monde pour venir faire, tout le monde qui est à l'étranger, qui compte toujours venir Grand Rivière du Nord, nous mettons venir Grand Rivière du Nord tranquille, gagne la paix. Et moun Grand Rivière du Nord, yo konn comment pour accueillir moun. N'a prendre nous dans festival année ça qui relève festival de l'unité. Et pour barrière battant Grand Rivière du Nord et puis Grand Rivière du Nord Baron. Baron, jusqu'à présent nous commençons satisfait de travail. Ah oui, nous commençons satisfait parce que population et yo n'a problème yo te gay avec nous, c'est pour route ça. Donc maintenant yo ouais et dans campagne nous te dit que nous pral faire toute démarche nous pour nous voir si route ça va faire. Et heureusement, le président Jovenel répond nous. Et lui dit, il n'a pas menti. Et tout le monde qui a visité, ou même font coup de pied, ou à l'ouest. Donc, route là vraiment en bon état. Et nous ne prenons pas le temps pour asphalte commencer. Donc, sorti barrière battant pour arriver à Grand Rivière. Deux problèmes cruciaux, c'est la route et puis c'est l'endiguement de la Grande Rivière du Nord. Donc, endiguement, pour qu'on fait, seulement ce côté de l'eau à manger dans la route là, il y a mis quelques gabions. Nous battons bravo pour ça. Et route là, donc, nous avons commencé satisfait de lui. Vous avez un projet en perspective de? Ah oui, nous avons pris le projet parce que normalement, nous sommes soumettons pour nous être capables de percer une route parce que Grand Rivière du Nord avec Sainte-Suzanne n'a percé interdépartemental. Donc, Grand Rivière du Nord avec Sainte-Suzanne, nous tout collé. Donc, nous avons pris comme projet pour être capables de faire une percée intercommunale entre Sainte-Suzanne et Grand Rivière du Nord. Nous avons notre percée intercommunale et en un département tout. Nous c'est Dondon à Grand Rivière du Nord en passant par Joli Trou. Donc, quand pile va et vient, Moun Dondon toujours vient dans le marché Grand Rivière du Nord. Moun Grand Rivière du Nord toujours dans le marché Dondon. Donc, son route capote vraiment, cap créer richesse, cap permettre que le produit écoule. Donc, nous te soumettons les oranges qui toujours gâtées. Donc, avec route ça, donc, nous sommes capables de faire échange. Donc, nous sommes capables d'améliorer. Donc, conditions de vie. Dernier message, député. Dernier message, je remercie nous. Je remercie nous parce que nous avons un privilège pour nous capables d'informer le pays de ce qu'a fait dans Grand Rivière du Nord. Moun Grand Rivière du Nord qui est l'autre bord, qui n'a pas déjà venu pour route ça. Moun Baron qui n'a pas déjà pensé un jour que route Baron Grand Rivière du Nord a fait. Eh bien, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Il y a matériel qui est sur route là déjà, il y a un travail qui commence à faire et travail barrière battant pour arriver à Grand Rivière du Nord. Donc ça fait vraiment avancer dans le travail. Merci. Le président tout, parce que l'ité dit nous, la fait route là, et effectivement, nous avons route là à fait. Et maintenant, nous avons indignement la rivière, Grand Rivière du Nord, parce que la rivière a détruit nous. Et n'a pas de commune et puis qui ça a gagné en perspective. Il t'a profité et remercier le président de la République, le gouvernement même, pour divers travaux qui ont réalisé la CAIDI. C'était Richard Sonjoudan pour la Télévision nationale d'Haïti. Député Jounis, c'est Jacques qui a parlé sur ensemble travail qu'a fait dans la circonscription Lien, Grande Rivière du Nord, route il est tout profiter d'attirer l'attention sur la nécessité pour un digue en fait, ça qui est capable de limiter les gaz, ça qui est capable de porter un soulagement pour le monde qui vivent dans la zone.